Joseph Jean Emilson, qui lui-même gagne en maîtrise en population et développement, l'ancien directeur départemental planification sud, donc gagne des informations qu'elle devait partager avec nous, on dit sous sujet ça un matin, parce que tant qu'on l'a dit depuis hier, nous avons essayé de comprendre sujet ça, qui est même en tout cas kembe actualité, hein, puisque gagne République dominicaine qui lui-même a fait en quantité menace cela, à savoir fermer frontières, menacer pour pas faire commerce avec nous encore, tout ça. Donc, ça a préoccupé nous et pour raison ça, nous avons essayé de garder avec plusieurs citoyens, plusieurs monde qui sont intéressés ou qui connaissent le dossier qui s'assaillait exactement. Et yon la donne, yon agronome Joseph Jean-Emilson, tu as souhaité parler avec nous matin, je nous dis, les gains en maîtrise en population et développement, lycée ancien directeur départemental. Ministère Planification dans Sud Pays, agronome Jean Emilson, bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Salut aux guerriers, salut Johnny, salut tout auditeur avec auditrice Caraïbe FM. Salut de manière particulière population qui est dans Nord-Est, ça qui est dans Wanamet, qui au même, fait preuve de volonté, de dévouement pour être capable fait tout ça qui dépend de eux pour mettre de l'eau disponible et accessible pour capable de travailler. L'on connaît que de l'eau est vraiment important pour l'agriculture. Et qui compréhension de ce ça, de dossier ça. Donc, en fait, pour moi commencer, je voulais dire que rivière Massacre est logé 55 km selon sa nouvelle dans la littérature. Donc ça veut dire que c'est une longueur qui est vraiment extraordinaire. Ensuite, il y a un débit moyen de 3,84 mètres cubes par seconde. Ça veut dire que chaque seconde, il y a presque 4 mètres cubes d'eau qui est même à couler dans la rivière. Ça. Hier, il y a un monde qui a parlé de débit d'étillage et moi, vous souhaitez comprendre ça, c'est un débit que vous mesurez dans la période de sécheresse. C'est ça qui est débit de l'étillage. Ensuite, les gars, il y a un pic, ça veut dire pic dans la zone que rivière ça les loger. Il y a une montagne qui a un pic de plus de 1200 mètres d'altitude. Ça veut dire que ça montre en zone en lunette avec en bas, différence de hauteur, qui montre qui possibilité qui gagne pour sortir ça qui relève hydroélectricité. Donc, étudiant capable de passer à montrer ça. Ensuite, en fait, intervention que m'a fait yo et m'a dit volonté que population li animé a. Pour moi-même, li rentre en ligne droite à sa ministère de l'Agriculture à chercher. M'a regardé un plan programmatique de qui fait pour maîtrise de l'eau agricole, son plan programmatique 2018-2023. Ça veut dire qu'il fait sous 5 ans. Côté que le ministère de l'Agriculture a constaté jusqu'à présent que il y a de irrégularités dans sa crèle la pluie. C'est des irrégularités qui sont liées au changement climatique. Donc, dans ce sens, plan programmatique, toi, c'est garder comment ils sont capables de travailler pour permettre que gagner des infrastructures hydro-agricoles, ça veut dire faire canal, faire barrage, faire prise, pour être capable de mettre de l'eau disponible pour mon travail. Et là-dedans, ils voulaient contribuer, on t'a dit, de manière durable. Pour être capable de faire ressources qui sont de loi les disponibles pour le monde. Ils ont même tout, ils ont même gardé comment, à travers l'action, pour être capable de faire que l'agriculture est sécurisée. Ça veut dire que nous connaissons que de l'eau, c'est le facteur qui est plus limitant. Ça veut dire que il est toujours recommandé pour une bonne semence, pour une bonne préparation du sol, pour gagner de bons bagages qui sont faits pour garantir la production agricole. Là. Mais ça arrive qu'on n'a pas une bonne semence, ça arrive qu'il y a un petit problème dans la préparation du sol, ça arrive qu'il y a un petit problème dans la question de fertilité, mais on fait un rendement. Mais automatiquement, qu'on n'a pas de l'eau du tout. Donc, c'est comme si on partit sur route pour échouer dans la production que vous-même avez fait. Donc, c'est pour nous dire que dans ce sens, le travail que nous avons fait est vraiment fondamental, non seulement pour eux, mais pour le ministère de l'Agriculture. C'est ça qu'on a demandé pour l'autorité qui concerne eux, accompagner nous, non seulement plus vite, mais plus bien possible. Pour ressources, ça, les capables disponibles pour l'eau. Ça nous voulait dire, si nous avons fait une approche économique, nous regardons, on dit,
En 2017, selon Haïti Libre, nous voyons que Haïti classé 4e parmi pays que la République dominicaine a exporté produit, a fait commerce avec eux. Et en fait, l'exportation gagne 9,6% de l'exportation de la République dominicaine qui fait vers Haïti, selon Nanessa, selon Haïti Libre. À l'inverse, la République dominicaine, c'est comme si c'est 42e marché que lié pour Haïti. Ou du moins, Sandaka dit que Saint-Domingue, en fait, produit Saint-Domingue importé de l'autre pays, ou bien commerce qu'il a fait avec l'autre pays, mais Haïti représentait seulement 0,2% dans l'exploitation. Ça y est. Donc, ça montre qui, Sandaka dit, déséquilibre qui gagne dans le rapport commercial qui existait entre deux pays. Ça y est. Donc, en fait, pour ce qu'on considère l'année 2022, dans sept premiers mois, de janvier à juillet 2022, nous avons gagné 678,2 millions de dollars que Haïti lui-même a importé de la République dominicaine. Et en fait, dans l'importation, dans montant ça, gagné 54,1% qui, on t'a dit, c'est denrées alimentaires de première nécessité que lié. Donc, ça montrait comment Saint-Domingue a alimenté Haïti, ça montrait comment besoin y a en Haïti. Et en général, importation ou fait, c'est pour capable combler déficit de production qu'on gagne la caillou. Ou fait, c'est pour capable, on t'a dit, répondre à besoin qui gagne la caillou. Donc, dans ce sens-là, j'en ai dit à l'heure, le ministère de l'Agriculture lui-même, le gagne dans le champ d'action pour le capable de mettre infrastructure hydro-agricole pour nous capable de joindre de l'eau pour le travail, eh bien, ça travail ça que nous avons fait, j'en ai dit, il rentre en ligne droite avec, nous avons dit, genre du travail. Ça. Donc, c'est dans ce sens-là, nous croyons, paysans, ou pas doué, laguer pour continuer. Donc, l'autre, nous avons dit, comment aspect stratégique dans la question. Si on prend la rivière Massacre, son rivière, nous avons dit, qui est censée pour deux pays, ça veut dire qu'il est en zone frontalière. Donc, automatiquement, que y a de l'eau qui est disponible pour nous travailler. Ça peut faire que la production agricole là, a augmenté dans la zone nord-est. Là. Ça peut faire que l'offre agricole là, a augmenté. Donc, automatiquement, que l'offre agricole là, a augmenté, on peut voir que l'importation que Haïti a fait en produits, ça a les sous-routes pour diminuer. Ça veut dire que l'exportation en République dominicaine, dans ce qui a rapport à denrées alimentaires, sous-route pour baisser. Donc, on y a, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a possibilité tout pour produire ça que Haïtien a fait, yo, capable d'exporter tout vers la République dominicaine. Parce qu'en réalité, nous connaissons l'offre de production, ou capable de faire autoconsommation, ça veut dire manger directement. Comme ça, tout va vendre l'autre partie. Et l'offre va vendre. On est capable de vendre sur le plan local, constater qu'on est capable de vendre dans le marché binational. Il est quand même vendre, on t'a dit, de manière informelle, parce que nous connaissons qu'il y a des côtés, qu'il y a des points que échange qui fait avec la République dominicaine. Donc, dans ça, d'un côté, nous gardons le nom économique, de l'autre côté, nous gardons le nom stratégique. Dans ce sens-là. Donc, ça nous voulait dire, l'eau, c'est une ressource naturelle. Une ressource naturelle, il fait pour l'exploiter. Et une ressource naturelle, ça, il y a un temps d'intervention au côté, il y a une rivière dans Capoti qui est même affluée à rivière Massacre. Donc, ça veut dire nous-mêmes haïtiens, nous, ou bien territoire haïtien, ils contribuent dans le fait de rivière Massacre Salière qui gagne un débit, j'en ai dit tout à l'heure, 3,84 mètres cubes par seconde. Donc, dans ce sens-là, les deux bons temps. Ça veut dire que si nous tenons compte de traité de pays d'amitié que Haïti a signé avec la République dominicaine, donc ça y est. Que ce soit sur le plan d'Acadie traité, que ce soit sur le plan naturel, donc Haïti les gagne droit sans force côté, tout comme la République dominicaine, dans ce qui a rapport à l'utilisation de l'eau. Ça. Donc ça veut dire c'est pour raison ça que la République dominicaine, parce que en fait, comme il vient à prendre naissance la République dominicaine, donc il gagne toute obligation pour être capable de protéger, pour être capable de bien gérer la ressource, ça, qui c'est la rivière Massacre là. Pour non seulement eux même capable d'utiliser le tout, mais pour moun haïtien tout capable d'utiliser. Et de l'autre côté, dans ça qui gagne rapport à Haïti, eux même tout gagne, on t'a dit responsabilité pour capable faire bonne gestion, pour faire bonne utilisation de lui. Hier tu gagne un point qui t'ai parlé de grand monde qui t'ai écrit concernant conséquences techniques ça t'a gagné le gain inondation genre de bail ça. Ça nous veut dire quelle que soit ressource en eau qui existait, elle fait non seulement pour le capable exploiter, mais elle fait tout pour le capable d'acadi n'a pas utilisé mon créole pour le tenter. Ça veut dire que c'est garder comment on même gens ou voulait utiliser ressource ça ou capable utiliser. Donc dans ce sens ça, nous croyons que prise ça qui a fait là
Et encore une fois, autorité secteur agricole là, tu as supposé intervenir pour capable aider Dakadi appliquer toute norme technique, regarder qui genre de ouvrage que capable mettre pour permettre que de l'eau capable d'entrer à volonté dans canal là. Et surtout nous connaît phénomène hydrométéorologique, si on prend par exemple cyclone, si on prend inondation, ça veut dire que c'est des phénomènes qui prévisibles, ça veut dire automatiquement que, et c'est pour ça par exemple chaque matin il y a Christophe Saint-Georges qui lui-même a dit nous mais comment temps y est, mais comment ça qui a rapport à la pluie ou bien autre, il va passer soit dans la journée ou bien dans quelques jours, donc dans ce sens ça pourvu que possibilité pour gagner des actions, pour gagner des prévisions qui fait par rapport à phénomène ça. Donc, ouais, si disposition technique yo prend, si Ndakadi gagne des analyses techniques, gagne des recommandations techniques, gagne applications techniques qui fait, préoccupation ça, parce que yo capable prendre en charge. Donc, ça veut dire, ou même tout, aller dans même lancer avec deux anciens sénateurs qui ont recevoir hier là, à savoir, il faut gagner un accompagnement technique qui baille avec paysans qui ont même décidé de reprendre. Dans du travail ça pour permettre que canal ça l'arrivée est faite et aider paysans yo pour capable planter la terre. Oui, effectivement parce que gagnent un plan quoi son plan d'investissement qui est allé 2016-2021 qui montrait que Haïti il gagnait 70 000 hectares qui actuellement irrigué et gagne possibilité pour irriguer 150 hectares. Donc ça veut dire que et dans même plan d'investissement ça, yo wè que m'taka dit yo doit garantir durablement sorta carrelé disponibilité en eau pour monde capable de travailler. Donc ça veut dire que pour ça fait il faut reconstruire de canal de nouveau canal, faut réhabiliter canal. Donc c'est en fait ça paysan va faire aller entrer en ligne droite à ça Ndaka dit secteur agricole là lui-même a cherché. C'est pour raison ça nous mandé pour capable accompagner monyo pour permettre que de l'eau ça capable disponible au lieu que de l'eau c'est le gain inondation là bas monyo problème mais qu'on y a yo capable utiliser le tout pour faire comme yo capable utiliser pour faire production, yo capable utiliser pour augmenter productivité pour agir sous son tacarelé échange commercial yo a dit c'est pas Haïti qui toujours en déficit le fait ça on a besoin de manger pour manger il a besoin de manger pour capable vendre et comme ça revenu agricole là pour augmenter offre agricole là pour augmenter et ça mettait sur route pour nous capable vraiment gommer contre insécurité alimentaire. Donc ça veut dire nous penser encore une fois c'est bon moment avec volonté que population gagne hein, pour l'état maconnais on t'a dit avec ça pour permettre que encore une fois nous mettons nos situations de déficit par rapport à échange commercial mais plutôt pour nous regarder comment nous capable faire pour nous plus ou moins équilibrer balance commerciale là. D'accord. Eh bien merci un peu l'agronome Joseph Jean Emilson. C'est moi qui vous remercie. Et bon, Ndakadi, bon combat à la population. Voilà, merci un pile. Agronome Joseph Jean Emilson qui était avec nous pour on t'y causer sur le même dossier ça, qu'il y a.